Bonjour, bonjour mes petits chats, alors c'est vendredi soir, le week-end approche, on vient mater une petite vidéo pour apprendre des nouvelles choses. C'est bien ça. Bon alors aujourd'hui on va faire un truc un peu simple. Enfin simple, je vais vous expliquer. On va enlever tous ces petits outils. Hop Et on va partir sur une base papier crayon. Voilà, on va faire un petit tuto sur comment choisir les cartes à acheter pour m'envoyer du pognon afin que je parte en vacances au Baléares. Me faire bronzer les baloches. C'est pas beau comme menu, ça hey. Alors, je vais pas vous mentir, je viens de tourner une demi-heure de tuto sur ce sujet. Et au bout de, de, de la demi-heure, je me suis retrouvé avec des papiers. Je ne comprenais plus rien. J'étais paumé. Même moi, je me suis paumé dans mon tuto. Donc, euh, on, va, on va en faire une autre version. On efface tout. Allez, on arrête tout ça. Et on repart à zéro. Donc on va refaire un tuto sur que choisir comme carte, quoi commander, quoi acheter. Pas forcément chez moi. Vous pouvez acheter directement les cartes où vous voulez, les souder vous-même, acheter à la concurrence, c'est pas, hein. pas grave. Ils sont sympas aussi. Voilà. Donc euh, premièrement, on va attaquer... Euh, donc il y a deux grandes familles. Hein. Il y a les toilettes classiques, comme les, les contacteurs, les lumières, tout ce que vous avez l'habitude de voir. Et il y a la famille des, des LED adressables. On va commencer par la famille des LED adressables, c'est à mon sens le plus simple. Donc hop, LED adressable, mais AD gagner du temps. Alors, si vous voulez piloter des LED adressables, les LED adressables c'est des rubans de LED où chaque LED est pilotée individuellement. On s'en sert pour des backboards, des sides, sous le flipper, autour des HP, on peut pour mettre de partout. Donc pour piloter ça, il y a deux solutions. Il y a une solution à base de Wimos. Donc je vais vous montrer une Wimos, ça c'est une carte Wimos. Voilà, hop, une petite carte WiMOS D1 Mini Pro. Voilà. Et il y a une solution à base de carte Tincy. La carte Tincy, elle est là. La différence entre ces deux cartes, celle-là, la WiMOS est moins chère, mais elle est plus fragile. Le petit connecteur USB, il n'est pas super solide et il a tendance à s'arracher parfois. Et elle n'a que 6 sorties. Le nombre de sorties, on s'en fout maintenant, vu qu'on peut mettre autant de tailles qu'on veut sur une sortie. Donc le nombre de sorties, franchement, c'est peanuts. Voilà. Donc euh, cette petite carte, elle peut piloter. Euh, bah avec mon shield, elle peut piloter 6 sorties. Sinon, elle peut en piloter 7 ou 8. Mais vu que je vais apporter des modifications, on va rester sur 7. On verra plus tard. Et celle-là, elle peut, on, la Tincy, elle peut en piloter 8 sorties. Mais autant de œils que vous voulez. La Tincy est un poil plus fluide et plus rapide. Voilà. C'est pas la folie entre les deux, hein. c'est pas non plus. Euh, c'est pas une vieille 4L ça faut pas non plus délirer. Mais il y a un peu plus de fluidité sur ce système-là, à base de Tincy. Et le système est plus, plus stable. Il y a des personnes qui ont eu des soucis, de retour de grande, enfin il y a 3-4 personnes, dont Ludovic Denis, qui n'est pas la, la personne la, la plus compétente en termes de bricolage et de pin-cab, mais bon, on va passer là-dessus. Il est meilleur en pastaga. Donc, euh, il a eu des petits soucis avec ça. On l'a basculé sur Tinsi pour que ça marche. Il n'avait plus aucun souci avec. Donc, voilà. Euh, 30 balles, 10 balles. Voilà. Moins bien. Enfin, pas moins bien. Un peu plus trapu. Moins, moins, un peu moins stable, mais qui marche parfaitement. Il y a des cinquantaines de flippers de pin cap qui tournaient avec sans souci. Celle-là. Et celle-là, 30 balles. Elle est plus récente et elle est un peu plus stable. Voilà. Pour piloter ça, si vous prenez le matos chez moi. Vous avez deux solutions le pinmos, hop, pinmos, c'est beau, mm. et la teamcab. Donc pinmos, wimos ça marche comme ça. Teamcab, euh, tin, hop, ça se rentre comme ça, et voilà. Entrée, sortie, tout ça, on s'en fout. C'est, c'est pas c'est pas le sujet de ce tuto. Voilà, donc soit vous partez sur cette solution, soit sur celle-là. Il vous faudra en plus donc, de la partie pilotage, ça c'est la partie pilotage, une partie puissance. La partie puissance, ça sera votre alimentation 5 ou 12 volts selon vos rubans, et des cartes voltboard. La voltboard, elle va vous servir à rentrer 40 ampères et sortir 4 prises à 10 ampères sur un fusible chacune, chaque prise a son fusible, pour, euh, bah, pour protéger les lignes. Et il y a un petit, un petit condensateur qui permet de filtrer le courant pour éviter les parasites. Une vol board peut gérer 40 ampères. C'est par rapport au volboard qu'il va falloir faire un petit calcul. Là, il n'y a pas de calcul à faire, c'est un choix, c'est calcul du portefeuille. Voilà. Donc, la Volt board. Une volt board gère 40 ampères. Voilà. Ça, c'est important. Le qui fait du bruit là, voilà, c'est fini, ça va arrêter de le faire, ça va arrêter de me gêner. Donc une voltboard gère 40 ampères. Comment on calcule le nombre de voltboards dont on a besoin C'est très simple. On va calculer, on va regarder les, les rubans LED qu'on veut installer. Donc on a des rubans LED à 144 LED mètre, à 60 LED mètre. On peut en mettre euh, on peut mettre plein de LED sur, euh, sur ses sides, sur sa backboard. Vous les mettez où, vous voulez. la seul, seule chose que je vous demande, c'est de savoir combien de LED il y a. Par exemple, si vous mettez un mètre, un mètre de ruban LED 144 LED au mètre vous aurez 144 LED si vous n'êtes pas fortiche en maths vous les calculez une à une voilà vous calculez trois fois toujours quand on calcule un truc on le fait trois fois une fois on peut se tromper deux fois on peut être con trois fois ça va moi en général je le fais quatre. Hein. je vous rassure euh, aucun jugement sur vous donc voilà on calcule plusieurs fois par exemple une backboard de mémoire c'est euh, donc c'est euh, 8 rubans de 50 cm de 144 euh, grosso modo, je l'ai calculé tout à l'heure dans, dans mes super euh, calculs de la mort qui tue. C'était où eh ben, Je ne le retrouve pas. Tant pis. Euh, une backboard, si c'est ça. Une backboard, c'est 8 bandes de 72 LED donc. Et ce qu'il faut savoir, donc c'est 8 bandes de ce, ça fait 576 LED par exemple une backboard. Ce qu'il faut savoir, c'est que une LED, quand elle brille en blanc, donc avec le RGB à fond, elle vous demandera au maximum 60 milliampères. 60 milliampères, c'est égal à 0,06 ampères. Alors, la seule solution, le seul calcul que je vous demande pour ça, c'est de calculer le nombre de LED que vous avez. Voilà, et de multiplier ce nombre par 0,06 ampères et comme ça, vous aurez donc vous avez X LED, X LED multiplié par 0,06 ampères égale un chiffre. Donc par exemple, vous avez, on va, on va pas s'emmerder, on va dire que vous avez 1000 LED. 1000, fois 0,06 amp, égale, 1, 2, 3, 60 ampères. 60 ampères. Donc si une voltboard gère 40 ampères, vous avez besoin de 60 ampères, vous prendrez 2 voltboard. Hop. Alors après il y a des, petits, des petites euh, choses à voir, c'est qu'une sortie gère 10 ampères. Si vous avez besoin de 15 ampères euh, sur euh, vos rubans, il va euh, falloir jongler avec vos, vos différentes consommations de chaque ruban. Vous le calculerez pareil. Mon ruban consomme, bah, j'ai un ruban de 144 LED. qui fait 0,060, machin. Vous calculez, vous savez que vous pouvez brancher sur telle sortie, telle sortie, telle sortie, telle sortie. Donc voilà, le calcul que je vous demande, c'est votre consommation totale de votre board. De l'aide et du coup vous en déduisez le nombre de volboards. Voilà. Pour la partie LED adressable je pense qu'on a fait le tour. Donc vous commandez soit un kit Pinmos, WIMOS, ou seulement une WIMOS si vous voulez, ou un kit TinCab, TinSi ou seulement une TinSi si vous êtes les rois du Dupont. Et pour ce qui est de, bah de la puissance, vous commandez X volboard une, deux ou trois. En général, c'est une vol une backboard déjà, c'est une volboard sur et après, c'est une pour du side, un peu d'undercab. Si vous voulez charger un peu plus, vous en prenez trois. En général, c'est deux. Voilà. Donc, on a fait le tour pour ce qui est de commander cet ensemble. Bien sûr, si vous n'utilisez pas de volboard, vous, bah, vous prenez des portes fusibles. Vous calculez euh, la conso de chaque porte fusible. Vous calculez vos consommations de câbles, vos, vos sections de câbles très important par rapport à votre consommation totale. Et vous collez un condo sur la ligne pour filtrer le signal. Voilà. Vous pouvez faire ça. Euh, on a fait le tour de tout ce qui est l'aide adressable. Hop. Maintenant, on va partir sur la partie la plus trapue, c'est les TOYS classiques. Alors, il euh, y a plusieurs façons d'aborder la chose. On va faire euh, une méthode, euh, allez, on va partir sur une méthode simple. Vous allez calculer le nombre de TOYS que vous voulez utiliser dans votre pin cab et que vous voulez doffer. Alors qu'est-ce que ça veut dire doffer Ça veut dire que c'est la table, c'est visual pinball en général ou, ou pinball FX3 ou votre logiciel, votre émulateur qui va piloter ses sorties. Donc ça va, ça peut piloter des contacteurs, ça peut piloter des solénoïdes, des moteurs d'essuie-glaces, des, des checkers, ça peut piloter de la lumière, ça peut piloter du ventilateur. Des stroboscopes, des, des gyros, plein de choses. Pour connaître la liste des objets qui sont pilotables, donc on va, on va dire doffables, vous allez sur euh, bah, le doff config tool et vous regardez bah, dans tout ce que vous pouvez sélectionner, qu'est-ce qui est doffable. Une lumière de bouton, par exemple, il y a le bouton start qui peut être piloté il y a le bouton launch ball, le, 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 le coin il y a plein de choses comme ça. Un bouton exit ne sera pas doffable le bouton exit ne sera pas piloté votre euh, par votre émulateur donc un un bouton 12 volts lumineux on le branche directement sur son alimentation donc on n'a pas besoin de carte pour ça à part si on veut mettre un fusible on prend une carte fusible on fout un fusible dessus une fuse box n'importe quoi voilà c'est la seule protection à avoir sur un bouton branché en direct qui ne pilote qui ne sera pas piloté là on va partir de 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 toy on va parler de toy pilotable donc doffable. voilà que ce soit bien clair alors ce qu'il va falloir faire dans l'absolu, c'est calculer bah, le nombre de sorties dont on a besoin, sachant qu'un toy en général c'est une sortie, sauf dans le cas de toys RGB, des toys lumineux, soit des rubans classiques RGB, soit des, des flashers, des trucs comme ça, des boutons fire, des boutons, euh, des boutons RGB. Alors un bouton RGB c'est trois sorties, une sortie pour piloter le rouge, une pour le vert, une pour le bleu. RGB, rouge, vert, bleu, voilà. Donc vous allez poser à plat sur une feuille de papier, toujours, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut faire, c'est sûr, on peut faire des super animations, des effets 3D, de la mort qui tue, genre un bob éponge qui traverse en criant, on peut faire plein de choses. C'est pas le but là, on va faire simple, efficace, papier, crayon, voilà. Et donc vous allez lister le nombre de sorties dont vous avez besoin pour votre projet de pin-cab, sachant que chaque projet de pin-cab est différent. Votre projet, c'est pas le même qu'un autre, c'est pas le même qu'un autre. Faites votre projet à vous. Voilà, donc vous allez devoir lister le nombre de sorties dont vous avez besoin. Et parmi ces sorties, il y a moi, enfin, moi je vous propose plusieurs façons de piloter tout ça. Il y a d'autres façons comme les cartes MOSFET, euh... les cartes MOSFET asiatiques rouges que vous pouvez trouver, des cartes relais, n'importe quoi, des ULN, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous, vous parlais. De mon matos, de comment je fais avec mon matos, mais euh, voilà, vous regardez les contraintes de, de matos de la concurrence ou des cartes relais et puis vous adaptez complètement. Donc, dans mon matos à moi, il y a plusieurs, on va dire, euh, familles. Il y a les, les cartes qui peuvent piloter des, des petits oeils qui consomment jusqu'à 1 ampère, donc en général des petites lumières, des petits solénoïdes à la con, des, des petites choses comme ça, des petits stroboscopes, euh, des gyrophares. Il y a les cartes qui peuvent piloter. Des toiles jusqu'à 5 ou 8 ampères. Donc, des toiles qui consomment beaucoup plus en général, des contacteurs, des gros solénoïdes, des moteurs d'essuie-glace, des, ce genre de choses. Donc voilà. Donc chez moi, vous aurez. Donc je vous fais voir via la mollusque, que vous devez sûrement connaître. Donc via la mollusque, vous pourrez piloter des toiles qui gèrent 1 ampère avec soit une MOS Lite, qui est ici, soit avec la Minimos 4. Donc une MOS Lite peut piloter. 16 toits de 1A, c'est plus accès lumière, mais vous pouvez piloter ce que vous voulez. Si ce pas de la lumière, vous pouvez piloter quand même, vous pouvez vous en servir quand même. Ça c'est expliqué dans les autres vidéos, vous verrez, il n'y a pas de souci. Et avec la Minimos, vous pouvez vous piloter 4 toits de 1A chacun. Voilà. Et il y a, toujours avec la Mollusque, les MOS 4 et MOS 8, qui permettent de piloter des toits jusqu'à 8A chacune il me semble. On est d'accord, c'est 8 ampères. Donc avec ça, chaque sortie peut piloter un toil de 8 ampères qui consomme jusqu'à 8 ampères. Donc pour les contacteurs alternatifs, les contacteurs AC par exemple qui en général consomment autour des 3 ampères, vous pouvez pas piloter avec ça, ni avec ça. Il faudra choisir ça. Donc voilà. Et il y a sinon les cartes qui sont autonomes qui vont sur les sorties de la KL25 qui sont les mosboard full 4 et full 8 qui pilotent des toys jusqu'à 5 ampères par sortie. Alors ces cartes pilotent en simultané. Une carte peut piloter jusqu'à 20A en simultané. Voilà, qu'on soit d'accord. Donc, parce que 8x8, 8, ça fait 64A. Vous ne pouvez jamais rentrer 64A là-dedans. Ça va fumer. Ça va être le carnage, les gars. Bon. on est d'accord. Donc, euh, bah, si vous... Voilà, ça peut vous aider à choisir entre une MOS 8 et deux MOS 4. Bah, ouais, je, je pense que ça va consommer plus que 20A en simultané. Je prends deux MOS 4. Comme ça, je peux taper 40A au lieu de 20A. Vous voyez ça va être tout ça le truc. Et donc le but du jeu, ça va être lister le nombre de toys, donc le nombre de sorties dont vous avez, que vous avez besoin, et de savoir bah, du coup sur quoi vous devez la brancher, donc connaître la consommation de chacun de vos toys, sur quel type de carte vous pouvez la brancher, et après vous faites une mixette, vous optimisez par rapport au tarif, à la praticité du produit, tout ça. Donc voilà. Par exemple, donc là, on va partir sur une, une configuration basique. On va dire, en général, c'est... 8 contacteurs, en général de l'alternatif. Deux autres contacteurs pour, euh, en DC pour les flippers. Donc les 8 contacteurs, c'est euh, bah les 6 bumpers. 6 bumpers, plus 2... Deux... J'ai bouffé le nom Les triangles qui renvoient là-bas, là, j'ai bouffé le nom. Les deux triangles, à la con. Ça, c'est pour deux flippers. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre truc eh ben, On va mettre un hocker. un moteur d'essuie-glace, un checker. Et qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre Qu'est-ce qu'on peut mettre J'ai fait une petite liste avec plein de choses. De L'an 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on va rajouter quelque chose. On va peut-être mettre un petit, une belle. Allez, on met une belle. Une petite cloche, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre Je vais mettre un peu des lumières quand même parce que c'est bien beau, euh, c'est bien beau le bruit, mais euh, j'ai des yeux donc eh ben on va mettre 5 flash RGB. Euh, faut faut me faire manger, les gars. 5 flash RGB euh, deux strobes. qui seront sur la même sortie donc ça sera une seule sortie. On va calculer après le nombre de sorties. J'ai besoin, qu'est-ce que je vais mettre Allez, deux gyro Et puis j'ai des petits boutons. Je vais mettre, euh, bah, je vais doffer des petits boutons. On va faire simple. On va doffer quatre boutons. Quatre boutons. Donc launch ball, crédit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre Le start et un fire. Euh, oui, allez, on dit un fire. On, on branche sur une ligne. Voilà. Donc quatre boutons. Une fois qu'on a ça. Et eh bah ben déjà, pour en déduire une chose, il nous faut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 sorties ici, 14 sorties pour le bruit, 5 flashs RGB, je vous ai dit tout à l'heure, 1 RGB, c'est 3 sorties, donc 3 x 15, 3 x 5, 15, donc 15 sorties, 2 strobes, on pourrait peut-être éventuellement les regrouper, donc ça fait une sortie, de giron on peut les regrouper aussi parce qu'ils s'actionnent au même moment, donc ça sera toujours la même sortie, et 4 boutons, 4, voilà. Donc euh, 15, euh, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 21. Hop. Voilà. Donc en tout, on aura besoin de 35 sorties. Pas mal. Ça sent les bonnes vacances sur la mer, ça, les gars. Pour moi. Merci. On a besoin de 35 sorties. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on avait besoin de sorties euh, différentes selon les consommations. Bien sûr, vous pouvez utiliser. Le plus simple, hein, prenez une mollusque, vous n'emmerdez pas, vous calez de la mos 8 et de la mos, de la la 8 et de la 4. j'ai mélangé mes cartes. Vous prenez 35 sorties, donc euh, ça c'est 16 sorties, euh, 32 sorties, vous en prenez 2. Vous avez 32 sorties, et puis à côté, bah, vous avez besoin de 4 sorties, vous pouvez mettre ça. Donc ça vous ferait. Euh, coup, par exemple, 2 mollusques. 4 MOS8, donc 2 MOLUS, ça vous fait 32 sorties, 4 MOS8, 32 sorties qui se branchent dessus, 32, pour aller à... Oui, on en rajoute 4, sur laquelle directement, vous voyez, on, on pourrait faire ça. C'est pas, pas le plus efficace, c'est pas le moins cher pour vous, c'est pas le mieux. On pourrait faire différemment. Donc, on va calculer nos consommations. Alors, pour connaître la consommation d'un produit, on se réfère soit à sa fiche produit, là où on l'achète, on regarde, c'est marqué consommation en ampères, si c'est marqué en watts, donc c'est la règle, c'est P watts égale u fois i u c'est les volts i c'est les ampères donc on peut en déduire que i égale p sur u donc les volts égale euh, les ampères égale les watts sur les volts voilà vous connaissez vos watts un, un toit en 12 volts ou en 5 volts vous en déduisez vos ampères voilà si vous n'avez pas de fiche technique vous pouvez mesurer à l'aide d'un multimètre ou d'un ampèremètre la consommation en série. Une consommation se mesure toujours en série, donc vous pouvez faire ça. Et sinon, vous pouvez demander à un copain qui a exactement la même référence que vous de savoir s'il connaît sa consommation, il pourra vous la donner. Ou faire la méthode empirique, c'est aller du plus gros au plus petit en termes de fusil, protéger un peu plus large. Voilà. J'ai besoin de connaître une consommation maximum du produit. Donc voilà. On va dire qu'on connaît nos consommations. Un contacteur AC en général, euh, c'est 3 ampères. Un, un, un contacteur d'essai, c'est euh, 350 milli en général. 0,35 ampères. Un hocker, je ne sais pas du tout. La taper, allez, on va dire 3 ampères. Un moteur d'essuie-glace, allez, ça, ça C'est gros un moteur d'essuie-glace, hein, on va dire 6 ampères. Un shaker consommer pas mal on va dire 3 je mets des chiffres là c'est chiffres à l'arrache hein, c'est euh... voilà vous calculerez vous mettrez vos chiffres à vous c'est un exemple c'est un pin cable exemple on est d'accord et une belle ça consomme que dalle on va dire 0,5 ampère des flash rgb alors euh, là j'ai besoin de 15 sorties des flashers rgb c'est 0 tac 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 je suis à 06 je crois 006 allez on va dire 100 milli 0,1 ampère par sortie les strobes, ils sont à 0,26 à euh, 260 mA les miens. Donc par exemple, on peut en mettre deux sur une sortie. Ça nous fera 0,500, allez, on dit 520 ampères pour deux strobes. Un gyro, on va dire qu'un gyro, ça consomme. Que euh, dalle, un gyro, c'est de, de la commande. Et une petite lampe, allez, on va dire 500 milli. Donc deux gyros, c'est 1 ampère. On est d'accord On a deux gyros sur une ligne, donc deux gyros font 1 ampère. Et les boutons, c'est que dalle, c'est 0,03 euh, ampère. En m, je crois. Voilà. Si vous, vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des, des lignes à moins d'un ampère, et j'ai des lignes à plus d'un ampère, entre jusqu'à 5 ou 8 ampères. Là, on voit qu'on a plein de lignes en dessous d'un ampère. Donc, on va utiliser des Minimos et des, et des, euh, des Moslites sur une base de mollusques. Et là, j'ai des consommations qui dépassent 5 ampères. Donc, on va taper sur de la mollusque avec de la Mos4 ou de la Mos8. Alors, regardez. On va faire un autre calcul de sortie. Je vais calculer mes sorties qui sont inférieures à 1 ampère. Donc, j'en ai 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. J'ai 24 sorties. Et on va calculer les sorties supérieures à 1 ampère. Et donc qui sont supérieures à 5 aussi. Donc on va basculer automatiquement en me suite. Donc j'ai 8 contacteurs. 8, 9, 10, 11. 11. Normalement, 24 plus 11, ça fait 35. On retrouve sur le même nombre de sorties. Voilà. Comment on va bidouiller notre chose maintenant Alors déjà, on va, on va partir du principe qu'on va calculer celle-là d'abord. Alors, on a 5 flash RGB, 1 strobe. En général, c'est une mollusque plus une moslite. Ça fait 16 sorties. Il m'en reste 8 à gérer. Ok. On va faire simple. On va faire une mollusque plus deux mini mos 4. 8. Donc là on est d'accord, avec une mollusque, une moss light et une autre mollusque et deux mini-mos 4, on peut piloter nos 24 toys qui consomment moins de. 1 ampère. Il nous reste donc 11 Toys, Et comme je vous l'ai dit, dit tout à l'heure, une molus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous devez le savoir, une molus, c'est 16 sorties. Je crois que je l'ai noté quelque part. Bref, une molus, c'est 16 sorties. Et là, c'est 16 sorties. Sauf que là, j'en utilise que 8. Donc, il me reste 8 sorties dispo. Donc, sur ces 8 sorties, je peux brancher une MOS 8. Donc, une MOS 8. Donc, il va me gérer 8 sorties. Il me restera donc huit sorties supérieures à un ampère et il va me rester trois sorties à piloter. Et bah ben, regardez ce que je vais faire, je vais prendre une euh, mustboard Cool 4 car elle peut utiliser une des huit sorties PWM. Je monte du full PWM, hein. on part pas sur du digital, on va pas s'emmerder avec ça, on part sur du PWM, qu'on soit d'accord. Donc par exemple là j'ai besoin de quatre sorties PWM en plus, je sais que bah, la KL25 peut m'en fournir une dizaine, 8 sur, car sur lequel Shield, il est où mon KL Shield J'en ai un qui traîne là, vous voyez sur le KL Shield, j'ai 8 sorties, ici, qui sont sorti 8 sorties PWM, qui sont pour brancher des must board, must board FULL. Vous voyez, là j'ai besoin, pardon, j'ai besoin de 4 sorties en plus, je vais prendre une board FULL 4, et je prends une board FULL 4. Plus 4 sorties. Et là j'aurai 8 et 4, 12. Pour en sortie, j'aurai une sortie en spare au cas où je veuille rajouter quelque chose plus tard. En plus, ça sera une sortie grosse puissance. Voilà. Donc là par exemple, quand j'en déduis ça, je sais qu'il faut une, de deux mollusques. Deux mollusques. Plus une moss light. Une moss light. plus deux mini mos 4 plus une mos 8 plus une mos board full 4 voilà vous aviez vos toys vous savez le plus important c'est de réfléchir en amont à ce que vous voulez brancher le nombre de toys que vous voulez mettre et éventuellement penser à plus tard Sachant que tout est évolutif, vous voyez, vous avez une musboard board full 4, vous pouvez rajouter une deuxième musboard board full 4, vous avez une sortie de spare, vous pouvez rajouter encore une mollusque derrière. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de tout penser en amont avec mes solutions, c'est ça qui est intéressant. Donc euh, bah voilà, avec cet exemple, vous savez que si vous voulez brancher tout ça, vous, vous, vous en déduisez votre nombre de sorties, vos contraintes de puissance pour chacune. Si jamais vous hésitez entre bah, des minimos ou des foules ou des machins... Vous voyez toujours à l'empirique, vous voyez, il vaut mieux avoir des sorties, euh, brancher un petit oeil sur une sortie euh, surdimensionnée, sur du 8 ampères, brancher un œil qui consomme un bouton sur du 8 ampères, c'est plus C'est moins de couillon que brancher un truc qui consomme 1 ampère, 2, 1 ampère 5 sur une sortie 1A en se disant ouais, ça tiendra bien. Vous voyez Prévoyez large. Donc voilà. C'est un peu. Euh, c'est pas super simple, je vous l'accorde, mais déjà, je pense que j'ai débroussaillé un peu l'histoire. Donc après, c'est juste donc, calculer le nombre de teuils dont vous avez besoin. Je vous rappelle. Faire le nombre de toys, calculer, la, calculer ou connaître ou trouver la conso de chaque toy, et la basculer dans ce tableau, savoir combien vous avez besoin de sortie de moins d'un ampère, de plus d'un ampère, et après de faire les listes. Voilà, c'est pas super super simple. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites ça, vous m'en parlez après, on fait le tour, mais déjà ce sera plus simple clair pour moi que bah, des personnes qui me disent euh, ah bonjour euh, faut brancher quoi je veux tout brancher je veux des boutons et des machins sur euh, mon pincable c'est super dur de, de se rendre compte déjà faites ce travail en amont vous aurez une vision plus large même si vous achetez des bah au lieu d'acheter des des, 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 des full 4 ou full, ou full 8 vous achetez des cartes euh, asiatiques ou autre chose c'est pas grave la logique de calcul ça reste la même c'est toujours la même chose donc voilà euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, de la question. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Je vais regarder, je m'étais fait une petite pompe. Pour rien vous cacher avec les choses à vous dire. Le choix moulus full, voilà. Capacité de carte, c'est important. Non, mais je crois qu'on est pas mal. Hein. Donc, euh, bah on a fini. Je vous invite à me mettre un doigt. Par là. Mettez-moi un, un doigt là si vous avez bien aimé la vidéo. Vous n'hésitez pas. Si vous voulez m'aider, un truc qui est bien c'est de s'abonner à la vidéo, s'abonner à ma chaîne, pardon. Donc euh, c'est ailleurs, je sais plus où c'est exactement, vous abonnez à la chaîne, moi ça m'aide, c'est super cool. Et bricolez bien, euh, restez curieux, super curieux sur le documentez-vous, il y a plein de tutos de partout, il y a plein de choses qui sortent tous les jours. Soyez curieux, intéressez-vous à la chose, documentez-vous beaucoup, lisez avant de poser des questions, relisez-vous avant de poser des questions, euh, bricolez bien. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de tutos, vous avez des idées de tutos, me les laisser sur le, le groupe de, de l'atelier. Ça sera, ça sera super sympa. Comme ça, ben moi, ça m'aidera à avoir de nouvelles idées pour les nouveaux tutos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, bricolez bien et je vous laisse sous vos applaudissements, bien sûr. Au plaisir, à bientôt.